C'est le début de saison, donc on va voir si les armes sont bien réglées. Alors je tire à 100 mètres, et pour que la DRO soit à 200 à 0, il faut qu'elle soit à plus 4 à 100 mètres. Donc le point visé sera le centre de la cible. Je mesure 4 cm, là, ce qui donne le centre du 9. Donc on va se positionner à 100 mètres, on va viser le point 0, il faut que l'impact soit à plus 4 pour que la DRO soit à 200. 100 mètres pile. On va se servir de l'arrière du pick-up pour avoir une situation bien stable, comme une table, pour tirer comme il faut à 100 mètres. Là, on va tirer avec une K95, un calibre de 170, et avec un modérateur. Une arme réglée avec un modérateur, on doit toujours tirer avec le modérateur. Une arme qui est réglée sans le modérateur, il faut toujours tirer sans le modérateur. À 200 mètres, on a un écart à peu près entre 20 et 30 cm. Donc là, moi j'ai pris l'habitude de tirer à la carabine sans lunettes. Donc je me règle la dioptrie en premier. Voilà, ça c'est la... Là je fais le réglage de la croix avec le point rouge. Et ici sur le côté, le parallaxe, là je règle vraiment la netteté de l'image. Donc ce que je fais, quand je tire même à 100 mètres, je mets le grossissement maximum. Donc là de suite, évidemment c'est flou. L'image est floue, donc je règle mon parallaxe. Voilà, là j'ai une netteté parfaite de l'image. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout être bien appuyé. L'avantage du bipied, c'est que la carabine est super bien calée devant. Par contre, derrière, comme c'est une carabine légère en carbone, elle a toujours tendance à bouger un peu. Voilà, j'ai les deux coudes qui sont appuyés, donc j'ai une stabilité parfaite. Et là, je mets un petit sac de sable dessous pour vraiment pas bouger. Mais quand je dis pas bouger, c'est pas bouger. Voilà, là, je suis parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais enclencher. Et là, je vais tirer ma première balle. Donc, je cherche un bel appui. Là, j'ai mes jambes qui sont bien stabilisées. Mes coudes aussi qui sont bien stabilisés. Et je vais faire une toute petite pression sur la queue de détente. Laisser reculer doucement. Ce qu'il faut, c'est que je me concentre essentiellement le point rouge au centre. Le point rouge, et après se faire surprendre par le coup de carabine. Parfaite, elle est plus 4 à 100, elle est exactement dans le triple qu'on a mis, au milieu du 9. Ouais. Donc la carabine est bien réglée, elle est, donc comme elle est à plus 4 à 100, automatiquement, normalement elle doit être à 200 à 0, on ira vérifier tout à l'heure avec un tir à 200 mètres.